Loin d'être un bâtiment ou une dénomination, l'église est un édifice à vocation religieuse dont l'objectif est le rassemblement des membres d'une communauté chrétienne que nous appelons les chrétiens. Selon la Bible, l'église est le corps du Christ dont il est la tête, comme on peut le lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, du verset 22 à 23. De nos jours, est-ce nos églises ou nos communautés chrétiennes sont-elles soumises à Christ? Papa Charles Mikungilundu, ce soir, sur ce plateau de Asleno. Bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste. C'est l'occasion pour moi de dire merci une fois de plus aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent à travers la RTOPH, à travers Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. En tout cas, soyez bénis et en vous saluant ce soir, par la grâce de notre Seigneur et notre Dieu, l'occasion, le privilège pour moi de dire aux uns et aux autres que Dieu existe. Et Dieu existe, il est le Créateur, gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et partout. Ce ne sont pas des chimères, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, tout démontre qu'à l'origine de la création, il y a Dieu. Et dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de Dieu. Je tiens à faire cette précision d'entrée de jeu parce que pour les uns, Dieu, c'est une notion virtuelle et on a pris l'habitude d'aller à l'église, non pas pour aller rencontrer Dieu, mais simplement parce que c'est une habitude de plus parmi les habitudes que nous avons dans la vie ici sur cette terre. Et aussi, nous avons la croyance. Nous avons eu à certains moments aussi la foi. Mais les pesanteurs de cette vie, les pressions de ce monde font que Dieu soit oublié dans notre conception même. Dieu soit oublié dans notre façon d'être et dans notre façon de vivre. Donc je voudrais, en vous saluant humblement, je voudrais vous dire ceci, mes bien-aimés, que Dieu existe. Et que cette chanson du monde qui est fredonnée à longueur de journée pour nous décourager, pour nous enlever la foi, pour nous démontrer que nous ferions mieux d'adhérer à d'autres forces, que nous ferions mieux d'adhérer à des loges, à des maisons mystiques, au lieu de ne croire qu'en Dieu. Et certains vous diront même qu'il n'y a aucun mal à aller à la fois vers ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Beaucoup vous diront qu'ils trouvent là leur compte. D'autres vous diront aussi que ça ne leur pose aucun problème moral. Mais nous vous disons que dans le décalogue, c'est Dieu qui le dit, sa jalousie se manifeste, s'exprime. Et il le dit que nous n'aurons pas d'autre Dieu devant sa face. Alors, donc, il faut comprendre ce Dieu-là, l'unique Dieu que nous avons à glorifier, à louer, l'unique Dieu sur qui nous pouvons compter, et surtout ne pas le confondre à des forces temporelles, conjoncturelles, circonstancielles de ce monde, des forces qui souvent prennent la place de Dieu. Merci beaucoup, Papa Charles. Dans la bande-annonce de cette émission, vous avez évoqué quelques détails sur les églises. Pouvez-vous nous apporter quelques éclaircissements? Prenons en compte votre introduction, une fois de plus, très très importante et qui nous donne un peu le rythme de cette émission. Oui, dans la bande-annonce, nous avons pris trois exemples. En fait, il y en a d'autres. Nous avons pris trois exemples simplement pour démontrer la situation des hommes de Dieu aujourd'hui. Puisque quand on parle de l'Église, l'Église est animée par des hommes et par des femmes. Donc aujourd'hui, l'attitude de ces hommes et de ces femmes peut trahir leur véritable appartenance. Parce que nous parlons de Dieu. Et nous avons pour moteur la parole de Dieu. Nous avons pour moteur la foi. Cette foi que nous avons en Dieu.
Et en Dieu, l'Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, donc, à partir de cet instant, nous avons les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui, à partir de leur comportement, comparé à la parole de Dieu, comparé à la volonté de Dieu, on peut être amené à dire s'ils répondent de Dieu ou s'ils ne répondent pas de Dieu. Nous avons pris un premier exemple. Vous savez, c'est un pasteur principal dans une église. Vous savez, jusqu'à présent, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de lieux de prière, tant que le pasteur principal est là, aucune autre personne n'a le droit ni de prêcher, ni d'exhorter. Vous avez même des pasteurs, quand ils tombent malades, ils ne laissent pas la latitude à d'autres personnes de prêcher, de faire la prédication, d'exhorter. Donc nous avons une église ici quelque part où le pasteur est allé en voyage et donc il a fait confiance en son assistant et l'assistant s'est mis à prêcher, à faire la prédication, c'est-à-dire qu'à faire ce que le pasteur principal faisait. Alors lui, il est allé dans la prière, dans la méditation. Il a demandé l'inspiration de Dieu. Il a dit, Seigneur, nous sommes restés longtemps dans cette église sous la houlette du pasteur. Bénissez, sanctifiez le pasteur, protégez-le là où il est parti, faites qu'il nous revienne selon votre volonté. Mais entre-temps, comme il m'a laissé la charge de conduire ce peuple en votre nom, Seigneur, inspire-moi, dis-moi ce que je dois dire à ce peuple. Je ne veux pas parler de ce qui sort de mon intellect. Je ne veux pas parler de ce qui sort de mon intelligence. Donc, je voudrais que ce qui sort de moi corresponde à ta volonté. Et c'est là où il a commencé à décrier certains phénomènes qui étaient courants dans l'église. L'adultère, le vol. En fait, il s'est apesanti sur le comportement des fidèles pour dire que Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. En tout cas, beaucoup de fidèles se sont mis à se retrouver parce qu'ils se sont dit oui. Avant, on était comme dans une bulle, en fait. Il y avait l'enseignement, mais cet enseignement ne nous touchait pas droit au cœur. Mais là, on vient à l'église, on a la sensation que nous sommes touchés, que nous sommes directement concernés et que cette parole fait qu'en sortant de l'église, on a la nécessité de changer une attitude. Vous voyez ? Mais il y a un petit groupe qui va se sentir dérangé. Et quand le pasteur principal va être de retour, il va avoir les témoignages de nombreux fidèles qui vont dire « Ah, mais voilà !» Et lui, il va adhérer, il va dire « Bon, en tout cas, nous allons continuer dans cette lancée. Donc, s'il m'arrive de faire la prédication tel dimanche, le prochain dimanche, je le serai à l'autre de faire puisqu'il y a une ambiance qui s'est créée. » Alors, le petit groupe de fidèles, entre guillemets, va se rendre chez le pasteur. Et il se trouve qu'ils font partie des soutiens de l'église. Ils font partie des donateurs. Parce que parmi eux, il y a des hommes d'affaires. Il y a des autorités. C'est-à-dire que c'est un rang social très appréciable quelque part. Donc, ils vont venir voir le passé. Ils ont dit au pasteur, non. En tout cas, si il continue à prêcher tel qu'il le fait. Parce qu'on a l'impression qu'il nous indexe. On a l'impression qu'il nous dérange. Alors, s'il continue à le faire, nous quittons l'église. Et le pasteur s'est retrouvé devant un choix. On lui a dit, vous suspendez pour l'instant toutes les interventions de votre adjoint. Et cela nous permettra, nous, de rester à l'église. Mais si vous continuez à autoriser votre adjoint de faire ce qu'il est en train de faire, à partir de ce moment, nous cessons toutes les donations, nous cessons toutes les contributions et nous quittons l'église. Et le pasteur s'est retrouvé devant un choix et il a adhéré à la volonté de cette minorité en suspendant le pasteur. Vous voyez, ce sont même des phénomènes à l'origine des conflits dans certaines églises. Parce que quand le peuple qui se sentait maintenant un peu intéressé, concerné par la parole, va se poser la question de savoir comment de but en blanc on a suspendu le pasteur un tel, s'il n'y a pas une compréhension, cela peut conduire à des conflits. Donc, vous avez là une preuve palpable d'un homme de Dieu, responsable d'une église, qui s'est laissé contrôler par une minorité, se retrouvant dans cette église, qui n'est pas animée par la volonté de Dieu. Dans la bande annonce, il y avait deux autres exemples que je vais essayer de... Donc, je vais essayer d'aller dans les détails, parce que c'est important, vous me posez cette question d'entrée de jeu. C'est aussi pour déjà donner une indication sur ce que nous sommes en train de développer au cours de ce thème. Alors, donc, c'est un monsieur qui est surpris en flagrant délit d'inceste sur sa propre fille. Il est fidèle dans une église,
l'affaire connaît vraiment un scandale dans le quartier et un peu au-delà du quartier. L'affaire arrive au niveau de l'église, comme il avait une responsabilité au niveau de l'église. Le frère un tel ne peut plus être responsable d'eux. Il faut l'enlever parce que c'est une affaire quand même qui fait honte, non seulement à l'église, qui fait honte à cette famille, qui fait honte même à Dieu. Mais comme ce frère-là, sa responsabilité était sur, c'était le plus grand contributeur de l'église. Et quelque part aussi, il a dit, si vous m'enlevez, je vous enlève du siège de l'église parce qu'il est propriétaire du siège de l'église. C'est lui qui a donné à l'église le terrain et le bâtiment. L'église évolue sur son terrain et c'est lui qui a eu à faire les travaux. Il dit, vous m'enlevez, eh bien vous perdez tout. Et là aussi, le pasteur s'est retrouvé devant un dilemme et il a choisi la conciliation. Non, Dieu est miséricordieux. Vous savez, quand c'est comme ça, on trouve toujours le verset biblique qu'il faut. Dieu est miséricordieux, on ne va pas le faire, on ne va pas en arriver là, et voilà. Et il y avait un troisième exemple sur un jeune couple. Ils sont allés devant l'officier d'état civil qui a prononcé leur mariage officiel. Et il était question de venir à l'église pour la bénédiction nuptiale. Or, il se trouve qu'avant d'épouser ce jeune homme, la belle demoiselle était la maîtresse d'un autre frère marié de l'église. Et aussi qui a un rang social considéré et considérable quelque part. Alors, celui-là dit, par jalousie, il dit au pasteur, si vous célébrez la bénédiction nuptiale, je quitte l'église. Et dans ce troisième cas aussi, le pasteur était obligé de se plier à la volonté de ce monsieur. Et on peut multiplier les exemples où la volonté de Dieu est échangée au profit de l'intérêt charnel, soit des personnes qui sont engagées, soit au profit de l'influence et des pesanteurs de certains hommes de la terre. Je peux vous parler par exemple de beaucoup de veillées de prière, de jeûnes qui sont organisés pour des raisons farfelues. Vous allez voir quelqu'un qui veut avoir un poste quelque part et l'église va se mobiliser. L'église va même oublier les pauvres, les démunis. L'église va mettre fin à d'autres actions rien que pour aller soutenir le responsable qui a dit, lui, il s'attend à être nommé ceci. Donc, il voudrait que l'église tout entière se concentre pour cette nomination. Et que dire des scandales qui sont occasionnés par d'autres raisons que la raison principale pour laquelle Dieu voudrait qu'on puisse conduire les activités dans nos églises, dans nos lieux de prière. Donc, quand on s'arrête qu'à ces exemples-là, madame la journaliste, vous comprenez que, quelque part, nous avons le nom de Jésus dans nos bouches. Nous avons le nom de Dieu dans nos bouches. Mais la réalité est tout à fait différente parce que si on faisait la volonté de Dieu, la volonté de Christ, on ne devait pas se plier aux injonctions des hommes de la terre. Quel que soit ce qu'on peut perdre en prenant une décision qui est contraire à la volonté des hommes. Si on s'en tenait à la vérité de Dieu, eh bien c'est à partir de ce moment qu'on peut affirmer que ce que nous faisons est sous le contrôle de Dieu. Mais ce qui est sous le contrôle des hommes ne peut pas être sous le contrôle de Dieu, même si le nom qui est utilisé est le nom de Dieu. Merci beaucoup, Papa Charles. La Bible nous parle du peuple d'Israël qui, à un moment donné, réclamait un roi au prophète Samuel. Un commentaire de votre part. Le peuple d'Israël évolue sous la main de Dieu après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Nous voyons la main de Dieu, comment Dieu conduit son peuple. Et on arrive à cette période triste. Moi, je dis une période triste parce que c'est la période où l'homme de la terre va refuser l'autorité de Dieu, va chercher à se débarrasser, entre guillemets, de l'autorité de Dieu. Et ça se passe au temps du prophète Samuel. Donc, le peuple d'Israël voit les autres royaumes, comment ils évoluent. Ils ont des rois, ils sont, selon eux, dans une certaine abondance qui n'est pas que eux, ils n'ont pas. Et à un moment donné, ils disent à Samuel, nous voulons d'un roi, comme les autres nations. Vous pouvez imaginer le mal que cela avait fait à Dieu, le Créateur, qui, par démonstration, par manifestation, par amour, a prouvé au peuple d'Israël qu'il était leur sauveur, qu'il était leur père, qu'il était l'Éternel des armées, leur Dieu, et que sur terre, il n'y avait aucune puissance qui pouvait le dépasser. Mais malgré tout cela,
le peuple d'Israël et dit, nous voulons d'un roi. Vous voyez déjà, je sais pourquoi vous me posez cette question, parce qu'elle dénote déjà du désengagement du peuple d'Israël par rapport à Dieu. Donc quand le peuple d'Israël cherche un roi, c'est le refus de se laisser contrôler par Dieu. La preuve en est que quand Dieu dit à Samuel, donne-leur le roi qu'ils veulent. Mais Dieu donne un certain nombre d'indications. Dieu dit, voilà ce que le roi là fera sur eux, sur leurs enfants, sur leur famille. Donc, dès lors que Dieu le dit, ça sous-entend qu'à partir du moment où le peuple d'Israël veut d'un roi, le peuple d'Israël cesse, refuse d'être sous le contrôle de Dieu pour être sous le contrôle. Retenons bien cet exemple, Madame la journaliste, parce que nous allons nous rendre compte tout au long de l'émission qu'il y a peut-être longtemps que l'Église a cessé d'être réellement sous le contrôle de Dieu. Si on voit le peuple d'Israël qui réclame un roi, nous allons voir aussi, pendant les temps actuels, de quelle façon nous nous sommes désengagés du contrôle de Dieu pour être contrôlés, soit par d'autres phénomènes, soit par les hommes de la terre. Merci beaucoup, Papa Charles. Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, l'apparence montre la maîtrise de la parole de Dieu par les pharisiens. Pourquoi ces derniers n'ont-ils pas reconnu Jésus comme étant le Messie dont parlait pour les mêmes Écritures? Vous avez un développement judicieux, Madame la journaliste. Vous êtes partie du peuple d'Israël qui demande un roi. Et voilà un autre exemple du désengagement, de la soustraction au contrôle de Dieu, de la volonté de se soustraire au contrôle de Dieu. Madame la journaliste, vous voyez, la parole de Dieu, elle est de Dieu. Et on dit qu'il y a des gens qui sont garants de cette parole et qui ont le privilège de conduire le peuple de Dieu en se basant sur cette parole. Cette parole est la parole de Dieu. Et vous avez des pharisiens qui sont là, dont l'apparence démontre qu'ils sont engagés, ils sont pieux, ils respectent la parole de Dieu. Cela veut dire qu'ils connaissent Dieu. Mais cependant, quand Dieu, en la personne de Jésus, se présente devant eux, il nie la divinité même de Jésus. Vous voyez le paradoxe? Ils maîtrisent la parole de Dieu. Ils connaissent Dieu. Donc, s'ils étaient sous le contrôle de Dieu, retenons ça parce que aujourd'hui, nous sommes embrigadés dans des schémas, nous sommes enfermés dans des chemins et on semble faire croire aux gens que c'est Dieu qui agit. On semble faire croire aux gens que c'est Dieu qui est avec nous, alors qu'il y a longtemps que nous avons cessé d'être en contact avec Dieu. Et nous sommes en réalité contrôlés par des pesanteurs, contrôlés par des puissances terrestres, contrôlés par des phénomènes terrestres. Donc les pharisiens, Dieu est en face d'eux. S'ils avaient adhéré au contrôle de Dieu en tant que serviteurs inutiles, ils devaient reconnaître Dieu tout de suite. Le Dieu que nous attendons, le Messie que nous attendons est devant nous, puisqu'il se proclame d'abord à l'âge de 12 ans, quand Jésus rentre dans la synagogue, et après, à travers les miracles, à travers les paraboles, la parole, Jésus démontre qu'il est véritablement le Messie. Mais ceux qui étaient censés étudier cette parole, maîtriser cette parole, garder cette parole, quand le Christ se présente devant eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors, quand vous prenez l'exemple du peuple d'Israël qui réclame un roi, qui veut se soustraire du contrôle de Dieu, quand vous prenez les pharisiens qui ne reconnaissent pas Dieu, vous comprenez qu'à un moment donné et depuis longtemps, l'homme s'était soustrait de la présence de Dieu parce que par la pratique, il s'est constitué des soutiens que les gens ont cru que c'était Dieu, mais en réalité n'était pas Dieu. La preuve en est que quand les pharisiens avaient des problèmes avec les disciples et autres, ils ne repartaient pas vers Dieu, ils partaient vers l'autorité romaine. Même Jésus lui-même, pour le crucifier, on a été obligé de l'amener devant Ponce Pilate, qui était l'autorité romaine. Alors que si les pharisiens étaient sous le contrôle de Dieu, Madame la journaliste, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait se passer qu'ils allaient se dire, Seigneur, tu nous as confié une mission. Seigneur, nous croyons en toi. Mais il y a quelqu'un qui s'est présenté en ton nom. Et qu'est-ce que Dieu allait faire? Si leur cœur se laissait aller sous le contrôle de Dieu, ils allaient reconnaître Dieu. Mais au contraire, dès qu'il y avait une situation, ils allaient vers l'autorité romaine. Quand vous transposez dans les temps actuels, combien de chrétiens aujourd'hui, combien de responsables d'église, combien de responsables de confession religieuse, quand il y a des problèmes, se confient en Dieu? Vous avez aujourd'hui, charité bien ordonnée commence par soi-même, même dans notre sein, nous avons couru vers les administrations, nous avons couru vers les tribunaux. Alors que
l'action que nous menons est l'action de Dieu. Donc, en fait, on serait reparti vers Dieu qui plus met dans notre sein le respect, la nécessité de la pratique de son amour. Mais si nous laissons Dieu de côté pour aller vers les autorités de la terre, à partir de ce moment, on se dit, on n'a pas confiance en Dieu, mais on a plutôt confiance aux autorités de la terre. Donc, vous voyez que l'histoire se répète. Ce qui sera a été, ce qui a été sera, rien de nouveau sous le soleil. Et vous verrez que nous sommes partis du peuple d'Israël qui voulait d'un roi, alors que Dieu est le roi des rois. Et malgré qu'ils ont eu le roi des rois, ils voulaient d'un roi. Et nous arrivons aux pharisiens. S'ils étaient réellement sous l'administration de Dieu, ils auraient reconnu le Messie. Mais le Messie, pour se faire entourer, était obligé d'aller prendre des pauvres en esprit. Les Lévites qui sont devenus Paul, les enfants de Zébédée, les Simon et autres. Voilà. Merci beaucoup, papa. J'ai une question de curiosité. J'aimerais savoir d'où vient-il le protestant, le protestant venu. Madame la journaliste, en tout cas, vous êtes calée aujourd'hui parce que vous êtes en train de nous amener tranquillement dans la compréhension de ce terme. Le protestantisme, les protestants. Protestant, c'est protester. Voyez, madame la journaliste, le peuple d'Israël demande un roi. Suivons très bien parce que je suis souvent peiné des gens qui n'ont retenu dans leur tête que des versets bibliques sans en connaître le sens et qui les déclament à longueur de journée, croyant qu'en les déclamant sans pour autant avoir un contact direct avec Dieu, croyant qu'en les déclamant, ils ont automatiquement la présence de Dieu en eux. Il faut sortir de ces schémas. Et la question que vous posez, nous allons comprendre comment on était arrivé à enfermer l'homme dans des dogmes, dans des symboles, dans des schémas, pour l'empêcher un contact direct avec Dieu. Voyez, le christianisme, dans ses débuts, nous avons une autorité qui représente le christianisme, le pape à l'époque. Et nous avons un pape en particulier qui s'appelle Léon X. Alors ce pape, c'était un pape très dépensier. Il aimait embellir les temples avec des bons tableaux et il a eu pour projet de bâtir la basilique Saint-Pierre à Rome. Et il fallait de l'argent. Et en ce moment, la papauté n'avait plus d'argent. Et ce pape s'est mis à vendre ce qu'on appelle des indulgences. Donc, en fait, la rémission des péchés. Et à cette époque, vous pouvez même acheter la rémission de vos péchés au purgatoire. C'est-à-dire que vous êtes déjà mort, mais vous venez voir le pape, vous payez, vous achetez les péchés. Et donc, il y avait la vente des indulgences. On a commencé à vendre des indulgences. Donc, vous commettez un péché, vous allez acheter la rémission de vos péchés. Vous voyez que rien que ce fait à lui seul démontre que l'homme s'était détaché de Dieu depuis longtemps. Parce que faire payer des indulgences, la rémission des péchés, est du domaine exclusif de Dieu. Mais vous voyez que le pape Léon X, à l'époque, s'est mis à vendre des indulgences. Alors il y a eu en Allemagne un autre chrétien, un moine appelé Martin Luther, qui s'est dit choqué par le fait qu'on vendait les indulgences. Et Luther va se dire que l'Église va se perdre si elle ne se base que sur l'autorité du pape, en oubliant la foi et l'autorité de la Bible, c'est-à-dire l'autorité de la parole de Dieu. J'ai parlé de Volman dernièrement, qui est aussi un Allemand. Vous voyez, Luther, déjà à l'époque, Luther dit « On ne peut pas faire ça !» Et Luther engage un mouvement où il dit « Au lieu de se soumettre à l'autorité du pape, qui est faillible avec tout ce que nous sommes en train de voir, je recommande aux gens de se soumettre à l'autorité de la foi, à l'autorité de la Bible. » Et Luther va même être convoqué devant les empereurs de l'époque qui vont lui demander de réaffirmer son attachement au pape et d'abandonner ce qu'il était en train de faire. Luther a dit, je n'abandonne pas. Et c'est de Luther qu'est partie la protestation contre le pape. Donc, protestant, protester, c'est la protestation contre l'autorité du pape qui a créé le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le protestantisme, qui lui-même aussi connaît aujourd'hui différentes dénominations, parce que vous avez les méthodistes, vous avez les évangélistes, vous avez les luthériens, vous avez les presbytériens, etc., etc. Et le terme orthodoxe. Orthodoxe, voilà, madame la journaliste, en tout cas, ce sont des détails tellement importants qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a longtemps,
que nous nous sommes détachés de l'autorité de Dieu. Il y a longtemps que nous avons refusé l'autorité de Dieu et que nous sommes devenus une église nominative. Vous voyez, roi, peuple d'Israël demande un roi. Les pharisiens qui méconnaissent la divinité de Jésus, vous êtes arrivés au protestantisme qui démontre déjà qu'à un moment donné, Martin Luther avait remarqué que l'homme n'obéissait plus à Dieu, que l'église n'était plus sous le contrôle de Dieu, mais que l'église était sous le contrôle du pape, qui lui ne faisait pas la volonté de Dieu, vendre les indulgences. Donc faites pour vous ce que vous voulez, vous avez un peu de sous, vous irez acheter. Et quand il y a cette scission protestant-catholique, donc au niveau même de l'église catholique, il y a aussi une première scission avec l'église orthodoxe. Vous savez, on est parti des conciles, ce qu'on appelle des conciles, et on est arrivé au concile de Nicée avec l'empereur Constantin. Et là aussi, il faut retenir que la ligne directrice au concile de Nicée, c'était de rassembler ce que les gens devaient croire. C'est-à-dire que les hommes s'étaient retrouvés pour édicter ce que les autres hommes devaient croire. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'on se retrouve. On peut se dire on est inspiré par Dieu, point d'interrogation. Le concile de Nicée, le symbole de Nicée naît de ça. Mais à partir de là, nous avons deux pôles qui vont se distinguer. Nous avons Rome et nous avons Constantinople. Donc nous avons l'Occident et nous avons l'Orient. Quand en Occident, les gens insistent sur l'autorité du pape à 100%, ceux de l'Orient, ils reviennent sur la foi catholique. C'est-à-dire qu'on doit être dans la foi catholique, mais on ne doit pas mettre cette foi uniquement sur une personne. C'est là où naît l'Église catholique orthodoxe. Constantinople d'un côté et Rome d'un autre côté. Donc vous voyez, ces scissions démontrent quoi? Parce que lorsqu'on est en Dieu, ce sont des scissions qui ont commencé avec le royaume d'Israël. Quand Israël réclame un roi, ça ne suffit pas. Dans le royaume d'Israël, il y a conflit. Ça crée le schisme. Et on aura d'une part le royaume d'Israël et d'autre part le royaume de Juda. Et vous voyez, c'est cette volonté humaine de se soustraire à l'autorité de Dieu qui conduit à toutes ces scissions. On a vu protestants catholiques, donc catholiques, on a vu catholiques, église catholique romaine, église catholique orthodoxe. Merci, Papa Chap. Pourquoi dit-on que le pape actuel serait le premier pape jésuiste? Avant d'en arriver là au pape François, vous savez, il y a eu en dehors de l'orthodoxe, l'église orthodoxe, il y a eu l'église anglicane. Parce qu'il y a eu un problème familial à l'époque avec l'empereur Henri. Et on demandait l'arbitrage du pape. Et quand l'arbitrage du pape n'était pas au profit d'un empereur, tout de suite, il s'est décidé de se désengager de l'autorité du pape et est née à partir de ce moment l'église anglicane. L'église anglicane qui existe jusqu'à présent, qui n'est pas aussi sous l'autorité du pape. Donc, vous voyez, c'est différent. Aujourd'hui, j'étais en train de rigoler quand les gens disent « Mais ouais, voilà, et les histoires de conflits et tout. » Mais nous voyons que la marche du peuple de Dieu, entre guillemets, depuis toujours, c'est une histoire de scission, de conflit, de division. Donc, les jésuites, c'est quoi? C'est, il y a quelqu'un du nom de Ignace Loyola qui, lui, va pratiquement dans les mêmes réflexions que Martin Luther. Il va dans les mêmes réflexions que Martin Luther parce qu'il trouve que l'Église doit sortir des dogmes. Donc, un renouveau. Le renouveau, en tout cas, part de ce courant des jésuites-là. Et eux, ils disent au pape ouvertement qu'il faudrait beaucoup plus insister sur la foi, la pratique de la foi. Comme il y avait déjà scission avec les orthodoxes, il y avait déjà scission avec l'Église anglicane, le pape qui était là à cette époque-là, de Ignace de Loyola, ne va pas se permettre d'avoir encore une autre rébellion en son sein. Donc, le pape va intégrer les besoins des jésuites dans la marche de l'Église. Et en fait, c'est des gens qui n'étaient pas pour le commandement, en fait, mais qui était sur la culture, la morale. D'ailleurs, il y a eu des grandes écoles, il y a des grands instituts aujourd'hui qui sont des instituts de jésuites. Et évidemment, le pape actuel, François, est un jésuite. Tout à l'heure, dans vos dires, vous venez de parler du symbole du Nicée. Qu'est-ce que c'est? C'est quand les gens se retrouvent avec Constantin au concile de Nicée pour dire, nous devons regarder ce que les hommes doivent observer. Et dedans, par exemple,
C'est là où on est parti dans le canon officiel, le canon non officiel, les livres machin, les livres tout, tout, tout. Donc, vous voyez, tout ce développement-là pour dire que même si tout le monde parle de Jésus aujourd'hui, c'est peut-être nominatif seulement. Parce que l'obéissance à Jésus répond à d'autres critères. L'obéissance à Jésus répond à d'autres comportements. Et est-ce que l'Église d'aujourd'hui répond à ces comportements? D'où la question, qui contrôle réellement l'Église aujourd'hui? Parce que, à la lumière de ce que nous venons d'évoquer, nous nous rendons compte que depuis déjà, l'Église s'était soustraite à l'autorité de Dieu. Et lorsqu'on se soustrait à l'autorité de Dieu, à partir de cet instant, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on est demeuré sous le contrôle de Dieu ou alors on est sous le contrôle des hommes. Merci beaucoup, Papa Charles, pour nous permettre de souffler un tout petit peu. Nous allons retrouver la régie puis revenir juste après. C'est de la go. Laila Production. Baba Olowo. DJ Vinicius. Eva. Régie pour cet insert, pour vous qui venez de nous prendre d'assaut. Notre thème de ce soir est « Qui contrôle réellement l'Église ?» Qui contrôle réellement l'Église ? Papa Charles, à la lumière de ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure de la première partie de cette émission, peut-on dire que l'Église subit l'influence des hommes de la terre ? Je vais, en répondant à votre question, prendre l'exemple qui suit.
Il y a dans une église ce qu'on appelle un collège. Et à la tête de ce collège, on met quelqu'un pour qui on a trouvé qu'il a les capacités d'organiser, de conduire et tout. Et arrive un fidèle dans cette église. Dès son arrivée, il commence à se manifester par des donations. En tout cas, il devient une identité remarquable. C'est le monsieur, quand on parle d'une maladie quelque part, il est le premier à acheter le médicament. On se dit, il a l'amour de Dieu. Mais en fouillant dans sa vie, on se rend compte que ce monsieur ne partage pas pour rien. Et souvent, il ne partage qu'aux sœurs avec intérêt. Alors, un jour, le pasteur est convoqué quelque part, il reçoit un coup de fil, c'est une autorité, une grande autorité qui l'appelle. Monsieur le pasteur, est-ce que je peux vous voir? Vous savez, toute autorité venant de Dieu, le pasteur va se dire, en tout cas, je dois y aller parce que c'est une marque de respect. Le pasteur arrive, ça c'est le pasteur qui m'explique lui-même. Il arrive dans le bureau de l'autorité. L'autorité commence par lui tendre une enveloppe. Il dit, en tout cas, pour l'œuvre de Dieu, voici ma participation. Voici ma participation pour l'œuvre de Dieu. Et il dit, voilà, vous avez mon cousin qui est dans votre église. Le pasteur dit, votre cousin, oui, mais un tel, ah oui, oui, oui. Il dit, c'est mon cousin. En tout cas, c'est un garçon plein de bonne volonté et qui peut apporter beaucoup de choses à votre église. Parce qu'on m'a parlé des projets, vous n'avez pas encore fini le siège de votre église. Alors, vous avez un collège là-bas, tout, oui. Mais le responsable de ce collège, en tout cas, il a nourri une animosité à l'encontre de mon cousin. Donc, en tout cas, je voudrais que vous le relevez de ses fonctions. Mais en tout cas, mettez mon cousin à la place parce qu'il vous apportera. Le pasteur gêné, il prend l'enveloppe, il revient à l'église, il est perplexe, il se retourne vers Dieu. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? 2-3 jours passent, coup de fil encore de la même autorité. Mais comment? Il dit, mais monsieur, ici, l'élection à la tête du collège répond. Il dit, mais écoutez, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Je vous ai dit qu'il apportera. Et il y a eu menace sur menace. Et un bon jour, le pasteur, pour avoir la paix, a été obligé de prendre ce monsieur et mettre à la tête du collège. Et celui qui était là avant, ne comprenant pas pourquoi on l'avait enlevé, donc il va avoir un conflit. Mais à la fin, le monsieur sera pris, quelque part, menacé. Et du coup, il va même quitter la ville pour éviter de subir ce qu'il faudrait subir. Quand je vous prends cet exemple, c'est un exemple vécu. Je ne dirais pas au Congo, je ne dirais pas en RDC, mais c'est un exemple vécu quelque part qui m'a été rapporté par un ami pasteur, parce qu'aujourd'hui, avec la communication interplanétaire sur WhatsApp et tout, nous pouvons communiquer avec nos frères du Sénégal, du Mali. Donc, je n'ai pas dit que c'est un exemple qui est du Congo ou qui est de la RDC, mais ça s'est passé quelque part. Alors, vous avez une église qui va désormais fonctionner sur cette base-là. À partir de cet instant, madame la journaliste, vous posez bien la question de savoir à quel moment on va défendre la vérité de Dieu dans cette église. À quel moment on va réellement parler de Dieu dans cette église. Mais cela répond à quoi? Cela répond à des vocations. Est-ce que, quelque part, l'homme de Dieu qui est conscient de la vérité, qui est conscient du fait qu'il doit défendre la vérité, est-ce que il va se dire, je préfère être en paix avec les hommes de la terre et être en conflit avec mon Dieu? Ou va-t-il dire, je préfère être en paix avec mon Dieu et être en conflit avec les hommes de la terre? C'est ça la grande question d'aujourd'hui qui répond à la vocation. Nous avons fait une émission récemment sur les secrets de certaines vocations. Si votre vocation tient de Dieu et soutenue par Dieu, eh bien, vous saurez que Dieu, en étant sur cette terre, comme on dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, il s'est fait chair, il a vécu parmi nous. Et nous avons vu que c'était une vie de souffrance. Les prophètes également, c'était une vie de souffrance. Donc, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne veulent plus de la souffrance. Ne prêchent même plus sur la souffrance. Parce que quand la vocation va dans la satisfaction de l'intérêt personnel, quand la vocation va dans le gain,
Eh bien, à quoi bon soutenir une vérité si on doit souffrir? À quoi bon soutenir une vérité si on doit perdre ses intérêts? Et ça devient qu'aujourd'hui, on parle de Jésus, on loue Jésus, on glorifie Jésus. Mais dans la réalité, on se dit, est-ce que le Jésus-là est le même Jésus? Est-ce que c'est le même Dieu? Parce que quand on va rentrer maintenant dans les comportements, quand on va rentrer dans les pratiques, on se rend compte qu'un homme de Dieu peut transformer quelque chose dans son église parce qu'il a reçu une injonction. Qu'un homme de Dieu peut chasser quelqu'un de son église parce qu'il a reçu une injonction. Un homme de Dieu peut, et on peut multiplier les exemples et ses criards. Merci beaucoup, Papa Charles. Dans une émission précédente, vous avez parlé des liaisons dangereuses de l'église. Pouvez-vous revenir sur ces principes? On parle qui contrôle réellement l'église. Donc le qui ramène à des hommes. Mais alors, il y a aussi le quoi. Il y a aussi des phénomènes, il y a aussi des aspects qui contrôlent l'église. Et quand on a parlé des liaisons dangereuses de l'église, on est arrivé sur les vocations au départ. Quand la vocation est même vraie, on peut courir le risque par des liaisons dangereuses de perdre la véracité de cette vocation. Comment, par exemple, quand on a commencé à aimer l'argent, on a commencé à évoluer avec l'argent, on a commencé à aimer le luxe, on a commencé à comprendre la mission qu'on a comme une mission qui va nous permettre d'être riches, d'avoir de l'argent. Eh bien, on va être tenté d'aller vers tout ce qui nous rapporte de l'argent. Et on ne va pas hésiter même à manger à la table du diable, avec la cuillère du diable. Donc, l'argent contrôle aussi l'église quelque part. Parce que c'est la volonté de certains de s'enrichir, d'utiliser la parole de Dieu, d'utiliser l'église pour s'enrichir. Regardez la propension à s'enrichir de certains hommes de Dieu. J'ai vu dans un journal un homme de Dieu qui exposait son patrimoine. Jet privé, yacht privé. Donc je me suis posé la question de savoir quel était son objectif. Parce que l'humilité de Jésus, c'est la clé quelque part de l'action de Jésus. L'amour de Jésus dans le partage, c'est la clé quelque part, la façon de vivre de Jésus. Mais quel est ce Jésus-là diantre, excusez-moi, que nous prétendons présenter alors que nos vies ne correspondent pas à l'humilité de Jésus, à l'esprit de partage de Jésus? À quoi sert-il à un homme de Dieu d'amasser, de collecter des voitures de luxe, des yachts, des jets privés, alors que nous avons la pauvreté qui doit être un objectif pour lequel nous devons revenir à l'église primitive dans laquelle il n'y avait ni pauvres ni démunis? C'est incroyable, madame la journaliste, d'être arrivée. Donc les liaisons dangereuses, vous avez l'argent. Les liaisons dangereuses, vous avez aussi la notoriété. Vous pouvez commencer avec une vocation qui est de Dieu, mais quand vous commencez à poser certains actes au nom de Dieu, alors vous oubliez que vous êtes serviteur inutile, que vous le faites au nom de Dieu, vous commencez à avoir des épaules comme ça, et à partir de ce moment, Dieu peut se retirer de vous un moment pour dire que il faut enlever l'ego, il faut enlever le moi, il faut enlever l'orgueil, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est sous mon autorité. Mais comme vous ignorez mon autorité, je me retire de vous. Alors à partir de ce moment, s'il voit qu'il n'arrive plus à faire les miracles qu'il faisait, qu'il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait, il va sentir comme si réellement Dieu s'est détaché de lui. Et il est prompt à aller embrasser d'autres choses. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des hommes de Dieu qui tiennent des églises, mais qui sont aussi dans les loges, qui sont aussi dans des maisons mystiques. À partir de ce moment, ce sont des liaisons tellement dangereuses que le cœur de l'homme de Dieu sera vers là où il trouve son contentement, mais jamais là où Dieu sera. Donc vous avez l'argent, vous avez la notoriété, vous avez la femme, qui est aussi une liaison dangereuse. C'est biblique d'ailleurs, parce que les grands hommes de la Bible sont tombés par la femme. Donc il y a des liaisons dangereuses que l'Église devait éviter. Si l'Église les entretient, c'est qu'elle a la volonté de les entretenir. Parce que ceux qui l'entretiennent ne servent pas Dieu, mais sont venus dans l'église sous le couvert de Dieu pour servir d'autres hommes, pour servir d'autres puissances, pour servir d'autres entités. Mais j'entends souvent dire qu'un homme de Dieu ou bien un prophète n'a pas le droit d'être pauvre, Papa Charles. Votre commentaire là-dessus. Quel sens vous donnez à cette pauvreté? C'est là le grand problème. Allons dans le serment sur la montagne.
quel sens vous donnez à cette pauvreté? C'est le cœur. Je vais vous prendre une idée sur le bonheur. Vous savez, vous avez beaucoup d'argent. Vous avez plein d'argent. Vous avez une santé qui est défaillante. Donc, vous avez une bonne partie de cet argent qui va dans votre santé. Vous avez des rites et des rituels qu'il faut respecter. Il faut sacrifier des gens. Il faut faire ceci. Vous devez aller dans la mer. Vous devez avoir une chambre noire. Ceux qui vous voient au dehors, vous voient avec des belles voitures, avec des belles villas, disent que vous avez un bonheur. Mais comparé au bonheur de ce paysan qui n'a rien, qui n'a pas grand-chose, il a ses champs, il a ses plantations, il a ses palmiers à huile qui lui donne le vin de palme. Je vous dis, le bonheur de cette personne qui, après avoir travaillé à la sueur de son front, qui s'assoit devant sa case en train de siroter son vin de palme, en attendant le bouillon que sa femme est en train de préparer, ce bonheur est différent du bonheur de quelqu'un qui est pris tout le temps dans le stress, qui est pris tout le temps dans l'inquiétude, parce que c'est un bonheur qui n'est pas réel. C'est comme la richesse. La richesse n'est pas fausse, madame la journaliste. Je porte un nœud aujourd'hui, je l'ai acheté avec de l'argent. Vous êtes venu en véhicule, vous avez payé avec de l'argent. Donc, la richesse, c'est quoi? Dieu, déjà, en lui, est toute une richesse. Dieu, en lui, est toute une richesse. Et quand vous repartez à l'église primitive, on dit tous ceux qui avaient des biens venaient les mettre en commun. Il y a un détachement. Le détachement de la richesse, c'est ce qui nous fait rapprocher de la crainte de Dieu. Mais quand vous avez pour richesse, Dieu et maman parlent, on dit dans la Bible, vous avez fait de la richesse un Dieu avec un petit dé. C'est à partir de ce moment que la richesse devient une mauvaise chose. Et si des hommes de la terre cherchent à contrôler l'église, c'est dans quel but selon vous? Ah, mais vous m'avez parlé du peuple d'Israël qui cherchait un roi. Vous m'avez parlé des pharisiens qui n'ont pas reconnu Jésus. Vous avez parlé du protestantisme avec la vente des indulgences. On a parlé de l'orthodoxie, de l'église anglicane et tout. Mais vous comprenez qu'à tout moment, c'est l'homme qui n'aime pas la vérité. L'homme qui n'aime pas la lumière. Et partout où il y a la lumière, l'homme cherchera à éteindre cette lumière. Partout où il y a la vérité, l'homme cherchera à éteindre, à étouffer cette vérité. C'est tout. Or, Dieu est lumière, Dieu est vérité. Ce que les hommes, certains hommes de la terre ne veulent pas, c'est pour cela que certains hommes de la terre sont allés jusqu'à infiltrer les milieux de prière pour perpétrer ces caractères de conflit permanent, pour distraire le peuple de Dieu, pour ne pas le conduire à faire ce qu'il doit faire réellement. Merci beaucoup, Papa Charles. Selon vous, comment défendre la vérité, cette vérité de Dieu? En restant authentique avec Dieu. Moi, je disais à des amis, quelque part, je leur ai dit, écoutez, on s'est retrouvés, on prenait un petit déjeuner avec des amis qui ont les responsabilités dans des églises, dans des confessions religieuses. J'ai dit, il faut laisser tomber lorsqu'on est convaincu que ce qu'on fait n'est pas de Dieu. Il faut laisser tomber. Ou alors, il faut se remettre en question. Je suis arrivé jusqu'à telle étape. Est-ce que ce que je fais est de Dieu? Et parce que Dieu dit ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Alors, jusqu'à quand nous allons traîner cette église comme ça, qui théoriquement parle du nom de Dieu, mais dans la réalité, sert d'autres puissances, sert d'autres entités, sert d'autres hommes? Alors que dans la société actuelle, le seul milieu où les gens devaient trouver la solution par rapport aux pressions de la société, les pressions de ce monde, c'est au niveau de l'église. Le prédicateur occidental qui dit « j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » Et quand j'ai voulu chercher le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Il faut revenir à la véritable volonté de Dieu et la défendre. Peu importe ce que cela peut vous coûter. Quand vous lisez Hébreu, vous voyez comment par la foi des hommes de Dieu sont allés de l'avant. Vous voyez Jésus humilié, crucifié. Vous voyez la mort de Jésus, hein, une mort. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de son nom. Donc, c'est la foi. Ce sont les trois vertus théologales, la persévérance, la foi et l'amour de Dieu. Et toujours avoir la vérité en soi, ne pas se détourner de cette vérité, parce que quand on a Dieu, on a le chemin, on a la vérité, on a la vie. La vie, quand on tue par exemple un homme de Dieu, parce qu'il est resté dans la vérité, on croit qu'on lui a donné la mort. Ben non, on ne lui a pas donné la mort. Donc c'est pour cela que Dieu dit, tant qu'il reste la vie,
même si on vous donne la mort parce que vous avez combattu au nom de Dieu, vous avez défendu Dieu, eh bien, la vie éternelle, c'est une notion qui nous échappe à nous tous et qui nous conduit souvent à perdre la persévérance, c'est-à-dire à ne pas être persévérant dans les épreuves, dans les tribulations. Il faut que cette véritable voix de Dieu sonne dans nos cœurs. Il faut que les forces de ténèbres tremblent là où elles sont, de par les prières des véritables fils et filles de Dieu qui ont compris qu'il faut défendre la vérité de Dieu coûte que coûte. Merci beaucoup, Papa Charles. Que direz-vous en guise de conclusion? Je dirais simplement, mes bien-aimés, nous avons parlé des secrets de vocation. Nous avons démontré récemment que toutes les vocations n'étaient pas de Dieu. Nous avons parlé de liaisons dangereuses de l'Église pour dire que l'Église avait adhéré à des choses qui n'étaient pas bien et qui dénaturaient même le message dans son ensemble. Aujourd'hui, nous sommes venus dire que l'Église doit cesser d'être sous le contrôle des hommes de la terre, doit cesser d'être contrôlée par les puissances de la terre, n'être contrôlée que par Dieu lui-même. Merci beaucoup, Papa Charles. C'est par ces belles paroles de notre invité que nous mettons un terme à cette émission de Asselineau qui a eu pour thème « Qui contrôle réellement nos églises ?» Grand merci à la clinique ESSA qui nous a reçus. Grand merci aussi à notre chaîne de la diaspora Zena TV, RTA OPH Media YouTube et RTA OPH. Grand merci aussi à Ristal BC. Rendez-vous le samedi prochain avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse.